bon, voilà, avant le début de l'épisode, je me suis dit que chercher une forteresse du Nether, ce serait pas mal. Et donc, voilà, j'ai finalement trouvé une forteresse à plus de Beaucoup. 640 blocs, apparemment. Donc, bon, le but, en fait, c'est que j'ai détruit dans l'autre donjon la dernière porte-truc de Blaze. Alors maintenant, je vais essayer de les détruire tous, comme ça, c'est rapide. Et ben voilà, donc comme ça, on pourra ramener un donjon sous le shard à la maison de Blaze. Ça nous fera beaucoup. Enfin, il y a moyen d'automatiser un bon piège, donc c'est assez rapide. Mais pour ça, il nous faut le tier 4 ou 5, c'est ça? Tier 5 pour pouvoir l'éteindre. Pardon, je suis en train de manger une clémentine. Parce que sinon, en niveau 5, ça va tellement vite que si on peut pas l'éteindre, c'est un enfer. Oui, bah, j'ai une petite approximation de l'enfer ici. Le Nether. Bon, voilà, après plusieurs minutes de recherche, je crois que ça fait un beau quart d'heure que j'y suis, j'ai enfin trouvé le donjon à Blaze que je cherche de temps. Bon, maintenant, le tout, c'est d'y arriver à le capturer sans crever. Ce serait con de crever maintenant. Aïe. Au feu. Bah, Fifou, tu serais mettre une potion de soin hein, le truc, s'il te plaît. À part si t'es occupé. Oui, mais c'est pas grave, je vais y aller. Alors, mes amis, où les potions? Le problème, c'est qu'il faut que je les retrouve. Instant heals. Ok. Allez, on fait le Instant. piège que j'ai fait la dernière fois. Hop. Hop, hop. Je te les ai mis dans le chest. D'accord. Bon, voilà, vous m'avez vu précédemment que je suis mort. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai farmé tout le piège. J'ai fait une épée Vilsword que j'ai complètement consommée sur les Blaze. Donc maintenant, ben, vu que j'ai fini ça, je vais chercher un autre donjon à Blaze. Et je vais utiliser celui-ci pour ma pierre. Hop. Et je suis à 612. Donc mine de rien, je progresse. Bon voilà, donc juste à côté, j'ai retrouvé un nouveau donjon avec des nouveaux monstres à Blaze. Que j'ai encore une fois capturé correctement et tout. Hop, si je meurs pas. Donc cette fois-ci, j'ai pris mes potions et je en bois une quantité phénoménale. Et en fait, donc ce donjon-ci. J'avais justement encore une épée Vile Sword que Fifoux m'a fait. Et donc ça m'a permis de remonter un petit peu. Donc maintenant on est arrivé à 845. En d'autres termes, si je trouve encore un seul et unique donjon à Blaze, je peux monter à 1045, donc à 1024, et avoir mon tier 5. Si j'ai mon tier 5, on peut farmer. Enfin, on peut farmer, on peut faire un piège automatique de Blaze dans le monde normal qui spawn. C'est quoi, c'est 5, 5 monstres secondes, un truc comme ça? Oui, 5 monstres secondes, ça peut se désactiver, ça spawn même quand on n'est pas à côté, ça. Enfin bref, il y a plein d'avantages. En d'autres On peut termes, désactiver avec un signal de redstone, très ouais. important. Et donc, en d'autres termes, on sera capable de faire des bâtons de blaze automatiques. Et Ouais. donc, on pourra alimenter en EU nos machines, enfin faire des EU avec nos steamers. On pourra aussi Et faire. voici le deuxième donjon du, enfin forteresse du Nether. Et bon, nous voici sous un donjon de Blaze pour la dernier truc à charger. Pourquoi je me trouve dans cette position à peu près précaire? Je ne sais pas. Peut-être lié au fait que je suis déjà mort une fois avant le début officiel de la vidéo. Donc cette fois-ci, je suis en sécurité pour charger ma sous-charge. Tiens, Blaze 5! Ah! C'est lui, c'est Shunchi. Moi aussi en compagnie de Fifoux. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Monsieur Chanchi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais connecté, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté, et puis il y a tout ça qui est apparu. Eh ben oui, en fait, j'ai bien avancé cet après-midi, pendant que tu faisais tes devoirs. J'ai mis quelques ruches, j'en ai automatisé quelques-unes. En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait les automatiser de manière très simple, parce que maintenant, même les queens, enfin les princesses, rentrent par le dessous. Donc c'est beaucoup plus facile. Et du coup, bah, les Diamond Pipe, eh ben, j'ai juste à leur dire de mettre les Honeycombs d'un côté. Il n'y a même pas besoin d'Apiaris Pipe. C'est super clean. Nickel. Là, ici, j'ai mis de l'eau parce que c'est les fameuses abeilles d'eau. Weather Queen.
Et effectivement, elles font une espèce de propolis bleu qu'on peut remettre dans un squeezer pour obtenir du propolis. Donc en début de partie, si on a du mal à obtenir du propolis et qu'on va à tout prix avoir des apiaries pipe, on peut faire ces abeilles en priorité. Alors j'ai mis des casiers dedans. Ah, les casiers, il faut que je te parle des casiers. Bah, Ça, parle-moi des casiers. tu vois, il y a des casiers là. Ça, c'est des impregnated frame. Ouais, Ça j'ai vu qu'il y avait un permet. PNG qui les vendait. Ouais, ça permet d'améliorer le rendement des abeilles. Parce que le rendement n'est quand même pas celui des anciennes versions. Hein. C'est quand même beaucoup plus Le compliqué. rendement, tu veux dire quoi? Que le Elles nombre produisent de plus. combes qu'ils produisent? Ouais, elles produisent plus. Alors, elles produisent pas D'accord. grand-chose, hein, mais elles produisent plus. Donc du coup, je me suis mis un petit squeezer ici, un carpenter ici, parce que celui de la cuisine, il est toujours plein d'eau pour les recettes de base. Je suis là. Voilà. Donc ici, je voulais qu'il y ait du seed oil, parce que pour faire des impregnated frame, il faut des impregnated sticks. Et on les imprègne avec du seed oil. Le seed oil, on peut s'en servir dans les engines forestry, là, mais bon, en général, on s'en sert pas. Donc, du coup, j'ai dit que les seeds, je les envoyais se faire macérer directement dans un squeezer automatique. Et je vais dans ce petit tank là que j'ai fait, qui fait 8 de haut, mais qui est petit. Et je remplis automatiquement mon petit carpenter. Mignon! Ouais. Bon, il est vide parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de seeds. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Du moment que le carpenter est plein, c'est ce qui compte. Mais il y a peut-être un moyen d'accélérer un peu la production de la wheat farm Ah en ouais, d'accord. graines. T'as foutu l'analyseur au mieux de tout, apparemment. Non, je l'ai posé là parce que je ne sais pas quoi en faire encore. D'accord. Par contre. J'ai pas encore déterminé ce que j'allais faire en bas. Pour l'instant, je ramène tout dans des apiary chests, chaque Justement, en ruche parlant d'en précise. bas, j'ai vu un petit truc qui m'intéressait, qui m'intriguait plutôt. T'es où? En Ouais. bas, sous les ruches. Sous les ruches. Donc les coffres là-bas, ce sont des apiary chests, c'est ça? Ouais, ils ont l'avantage de rentrer dans la database, c'est-à-dire Je on clique sait le, no dessus le et je nombre vois des abeilles d'espèces. dedans. Et ça sert à quoi? C'est Ben les en fait, affiches. parce que chaque fois que ça fait un tour, comme elles sont automatisées, il y a un drone de plus. Ouais. Pas à chaque fois, mais presque. Donc, ben le drone de plus, je le stocke là en attendant. Mais plus tard, je compte bien l'analyser automatiquement dans l'analyseur, puisque tu l'as fait, avant de les envoyer dans notre super indexeur, qui servira de base. Et puis plus tard, on pourra les décomposer leur ADN pour le Pour mettre en... dans des fioles et récupérer leur caractère. Par exemple, ici, on a des valiantes. On a eu beaucoup de chance de trouver des valiantes. Parce que les valiantes, elles ont une vie longue et elles sont nocturnes. Donc, si on arrive à imprimer le caractère nocturne Sur aux abeilles, nos abeilles travailleront la nuit. Et la vie longue, elles travailleront plus longtemps. intéressant. Après, il faut trouver des fast workers pour pouvoir leur imprimer fast worker. Travailler J'ai plus vu. rapidement, c'est ça? Voilà. Donc, elles font plus de combes. Donc, si elles ont une vie longue et qu'elles travaillent vite, tu vois, ça en fait plein. Alors pour l'instant, c'est en stand-by parce que j'aimerais essayer de relier ça plus ou moins au système logistique. Là, pour l'instant, ça passe par des tuyaux. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai juste fait des automatismes pendant que les abeilles tournaient. Ok. Beaucoup d'autres, j'ai mis des craftings automatiques, des cuissons automatiques. On a plein de choses maintenant disponibles uniquement en crafting. Voilà, on a toute une page. Tu appuies sur Craft, tu as toute une page. Tous les tuyaux, les basiques, les crafting pipes, satellite pipes, supplier pipes, toutes les sortes de tuyaux, toutes les gears. J'ai même fait les circuits électroniques, les copper cables, les glass fiber câbles, en utilisant le conseil de. Moi, j'oublie toujours de passer les pages dans NEI, mais il y a des recettes très avantageuses, notamment avec l'Electrum. Ouais. Donc, j'ai automatisé l'Electrum aussi. Parce qu'avec l'Electrum, on obtient par exemple deux RE batteries au lieu d'une, à la place de la Redstone, c'est. Comme on obtient deux circuits à la place d'un seul. Donc c'est pas mal. Et là, j'ai augmenté encore le nombre de tris. Donc je suis en train de faire des cartes polymorphiques. J'ai augmenté ici parce que le coffre de poudre était plein. Et avant de remettre le quarry en route, je voulais. Ils sont où les poudres? Voilà. J'ai diminué le nombre de poutres qu'il y avait là-dedans et je les ai répartis une poutre par coffre là-dessus. Il y en a plein. Voilà. Et par contre, cette partie-là, il faut que je rajoute les cartes dedans derrière, que je n'ai pas encore mis les items sync et les provider modules.
Voilà. Bon, c'est à l'identique de ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. C'est vraiment du mirroring. J'ai un drôle de bug d'affichage quand je m'approche ou que je m'éloigne. Les frames là Elle d'affichage, elles brille. s'allument. Elles brillent. Toi Oui. aussi? Toi Oui. aussi? C'est Jour, Noël. C'est nuit. Noël, ça clignote. C'est très bizarre. En parlant d'arbre, tu as retiré l'arbre de Noël. Bah oui. Oh, bon, ça, j'ai récupéré comme ça une dizaine de répéteurs, de la redstone, des lampes que j'ai pu mettre dans la rue. Et donc, c'est la fin du super circuit Redstone clignotante fait par Shenshi. Voilà, le circuit qui clignote tout seul, on ne sait pas pourquoi. Voilà, le clignotant par hasard, Le on va clignotant l'appeler. par hasard. Voilà. Donc c'est bien avancé. Et j'ai une idée pour les abeilles qui demandent beaucoup d'électricité. Je voudrais faire des moteurs diesel de Gregtech. Alors le diesel D-I-E Voilà. Alors le S-E-L. diesel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai jamais fait et ça m'amuse de le faire. Donc il faut un diesel générateur, c'est ça? Il en faut plusieurs, à mon avis, parce que les machines du tier 3 de Extra Biz mangent à peu près 100 EU, 100 MJ Ouais. particules quand on les lance. Donc 100 divisé par 2, 50, multiplié par 5, 250. Il faudra arriver à 250 EU, enfin 200 EU, quoi, avec le stockage. Et comment on obtient du diesel? Alors, le diesel. Car je vois Ouais. la machine, mais je ne sais pas comment on récupère. En fait, j'ai oublié. Il faut de la glycérine, je sais plus quoi. Non, pas de la glycérine. Alors, un Y. Voilà. Avec un Y, glycéryl sel. La glycéryl sel, on l'obtient en mélangeant Du dans une carbone sel. Nitrogène, sel. du méthane sel, voilà, un peu de tout, du nitrogène et même de l'air compressé. Mais pour obtenir le nitrogène, il faut mettre dans un industriel électrolyseur, ça tombe bien, on en a un, du salpêtre. Mais voilà, rien que ça. Ou Under Pearl Dust. Ouais, mais enfin bon, on n'a pas beaucoup d'enderpearl. Ou Pas que toi. sinon du sel, oui, du salpêtre ou du sel, ah. C'est l'autre. Salpeter dust ou Ouais, c'est le salpeter, même. ouais, d'accord. Sinon, pour faire le carbon cell, alors ça, c'est ça qu'il faut faire. Absolument une industrielle centrifuge. Parce que regarde, le rubberwood, c'est super efficace de l'envoyer dedans. Ah ouais, Donc on j'aimerais. obtient le méthane d'un coup et le carbon cell d'une. Voilà. Et en plus, t'as vu combien ça fait de sticky résine? 8. Plus des Mais il plant en faut balls pour. 16, hein. 16 Oui, mais rubberwood fait selon en faisant Wistik. tourner là, en faisant tourner le machin, c'est pas mal. Ouais. Sinon, on peut aussi obtenir le carbon cell dans l'industrie électrolyseur. Ouais, mais pour automatiser, ça sera plus simple, à Mais de toute mon façon, c'est avis. plus intéressant l'industriel, Ouais. centrifuge. Parce que le rubber wood, on en a plein, du rubber, on en a plein. Donc je pense qu'on peut utiliser le bois de rubber par défaut dans une industrielle centrifuge. La seule chose, c'est que c'est du 32 et pas du 128. Donc il va falloir faire attention quand je vais la brancher de mettre avant un transformateur. Et en fait, on enverra automatiquement tout le rubber wood aller dedans. Par contre, je ne sais pas comment le supplier en empty cell. Automatiquement, bah, j'imagine avec un supplier. À voir. Donc pour l'instant, je finis le tri pour pouvoir relancer le query. D'accord, Et ben moi après, je on vais se lance dans le m'occuper truc. de l'industriel et du générateur. Industrial. Industriel électro centrifuge D'accord. et le générateur Diesel. diesel. Bah, il n'en faut pas un, il en faut. Je t'en fais 6, 7, 8, Je 10. sais pas, on va calculer. Ok. Bon, et nous voici dans le petit donjon que Fifoux m'a préparé pour que je mette ma soucharde. Si j'y arrive. Attends, je prépare de quoi le fermer et t'enlèveras les torches en sortant. Ouais. Sinon, tu pouvais déjà allumer Le le feu. non, la redstone pour pas la redstone pour pas qu'il pop sur moi. Ah, mais ça s'allume que quand le coffre de Blast sera plein. D'accord, je le mets dedans. 3, 2, 1. Vérifie si c'est le bon truc. Go. Hé, hey, fonce, barre-toi. Secours! Au feu! Oh.
En fait, dans le pire des cas, je brûle pas en fait. T'as enlevé la lampe? Ah, je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Ah, je suis pas mort. Est-ce que t'as enlevé la lampe? Il n'y en avait qu'une, hein? Ouais, je crois. Bon, on s'en fout, moi. T'as les jeunes potes. Qui ça fait? Je vois pas de blazerot par contre. Bah, moi, je vais être du ah, si, ça y est! Ça y est, ça vient. Ouais, super. Bon, ça spawn là. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Le massacre. Le massacre des blazes. Et rassure-moi, ma pierre ne peut pas s'affaiblir. Non, normalement c'est infini. Incroyable. Il faudra peut-être mettre un upgrade sur le coffre à Blaze car à la vitesse que ça arrive. Non, mais j'ai mis que quand il sera plein, il envoie un signal de redstone, donc je vais tester déjà que ça s'arrête bien quand c'est plein. Bah, t'attends 2 minutes ici, ça devrait le faire à la vitesse que ça vient. Mais je vais, en fait, je les mets à la place, regarde où je les envoie. Voilà, ils arrivent. Ils rentrent dans les générateurs. Ah oui. Donc en fait maintenant il faudrait que je fasse une MFSU pour la cuisine. Ok ok. Bon voilà, je vais passer au craft de la l'industriel centrifuge. Donc il nous en faut deux. Une pour la cuisine. Oui. Et une pour qu'on va automatiser, enfin essayer d'automatiser. Et donc comme vous voyez là je suis en train de le crafter à vitesse grand V, hop. Et voilà, j'ai fait deux centrifuges, industriel centrifuge. Que peut-on savoir dessus? Tout simplement que l'industriel centrifuge marche en 32. Donc, si je me trompe pas, tu as prévu une petite place ici en 32. Tout à fait. Et tu veux la poser où? Ici sur le côté? À la suite des autres machines. Mais. D'accord. J'ai rien. Sur le câble bleu. D'accord, hop. Bon, donc c'est lui qui a fait ça, donc c'est une explosion. C'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Normalement, ça devrait pas, hein. Et rien s'est passé, formidable. Non, normalement c'est bon, il est alimenté par la petite batterie 32 là qui est là. Et comme j'ai mis des fils rouges, ça devrait pas toucher. Donc voilà, et donc la centrifuge, pour petit rappel, on va s'en servir pour faire du méthane et du... c'est quoi l'autre? C'est surtout pour faire les carbon cells, je m'en souviens plus ce qu'on met dedans. Oui, on va mettre le rubber wood, voilà. Voilà. Pour obtenir à la fois les méthane cells et à la fois... Et les méthane cells. Carbon cells et méthane cells. Et en plus, on obtiendra du sticky resin. Faut que je réfléchisse à la manière d'automatiser l'autre. Par contre, ça coûte cher vu qu'il faut à chaque fois 12 cellules. Ouais. Mais on a du tin. Ouais. Alors voilà, j'ai mis la batterie qu'on avait déjà faite là, parce que comme l'industrielle centrifugeuse marche en 32 et que là... Bonjour. Bonjour. Donc normalement, il est facing vers le haut, vers le bas, je veux dire. Donc ici, c'est du 32, donc j'ai plus qu'à mettre un petit câblounet là et tu dois poser le truc par-dessus. Oh, t'as réussi à sauter. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'elle dit. Elle dit rien. Ouais. Ok. Et donc, comme tu disais, tu penses bien que ça, que les items rentrent et sortent par au-dessus si on met une crafting table dessus, une crafting pipe? J'espère. Donc, je pense mettre un module parce que il faut attirer le rubber wood et des cellules. Donc, il faudra lui dire qu'on veut toujours avoir 12 cellules là-dedans. Je pense utiliser le module Passive Supplier Module. Je vais crafter ça très vite. Mais donc, tu veux mettre un module passive Supplier plus la crafting module, si ça existe. Non, pas crafting. Lequel alors? Supplier. Et une route par défaut pour le rubber wood. Oui, mais ça le fera tout le temps en automatique, alors. Oui, ça fera en permanence. Hein. Ah, d'accord, c'était le but. Ouais, puis on va stocker les cellules qui en résultent. Ok, ok. Bon, je voulais lancer le craft du générateur, diesel, enfin de la machine à diesel, et donc, en fait, donc, oui, diesel générateur, je me trompais pas, qui demande 12 de U. C'est un peu bizarre, ça.
Il demande pas, il fabrique. Ah, il fabrique. Ah oui, août. Bon, soit. Et il demande des générateurs. Alors, franchement, vu que Fifou c'est un gros fainéant, il a pas mis tous les crafts. Donc, je suis obligé de retourner pour ajouter des nouveaux crafts. Alors, le premier qu'on va mettre, c'est le four en cobble. T'as vu, j'utilise plus du fer raffiné pour le faire. Hop. Tu peux mettre un panneau au-dessus. T'as importé la recette? Non. Vas-y. Import, hop. Et on le voit devant, c'est formidable. Ici, on est dans. Dans comment ça s'appelle? Red Power. Et ici, je veux crafter une machine block. Comme ceci. Et si je fais import et qu'il met un panneau devant, ça devrait fonctionner. Ouais. Voilà. Et il me faut bien sûr le dernier craft, le craft du générateur en lui-même. Hop. Alors bien sûr, vu que je suis doué, j'ai pas pris le tiers du quart de ce qu'il me fallait. Tu peux réclamer maintenant. Ouais. C'était justement ce que j'ai prévu de faire. Comme ça, on va tester. Bon, il me faut un four. Il me faut une machine block que je ne trouve pas, bien sûr. Et ici. Que me faut-il d'autre? Il me faut aussi une aérobatterie. Alors, si tu l'as correctement mis, je peux le voir ici et le demander. Et si tout va bien, je devrais les voir apparaître dans mes coffres. Donc, le four est là. Le machine block devrait arriver d'ici une demi-heure. Non, ça va vite. Le surplus, il va où en fait? Dans la route par défaut. Donc, t'as Donc bien elle. fait une route par défaut. Hop. Et voilà, les trois machines sont arrivées ici. Donc, je peux les disposer dans ma table de crafting. Voilà. Et j'obtiens un générateur. Importe. Et s'il met le panneau. Et ça Ouais. marche parfaitement. Et donc, on avait prévu de crafter une dizaine de diesel, c'est ça? Ouais, ça fera 120 U, c'est pas mal. Si on met une grosse batterie derrière, ça devrait le faire. Donc je vais réclamer tout ça. Donc là ça prendra un peu de temps car il faut quand même qu'il fasse le fer raffiné. Je vais aussi réclamer 10 x 5, ça fait 50. Attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc 50 et il me faut encore 20, 20, 20, 20. 20 circuits électriques. T'automatiser les circuits électriques, hein. Oui, avec la recette économique. Avec la recette automatique, tiens donc. Économique, pas automatique. Oui, automatique. Ouais. Ça en fait deux à la place d'un avec de l'électrum. Ouh! Et ça n'utilise pas de redstone. Voilà. Pareil pour les rebatteries. Comme quoi, Gregtech rend les choses plus dures, mais certaines choses sont économiques. Certaines choses. Donc je devrais commencer à voir apparaître les mèches. Ah voilà. Donc il a commencé par faire le fer raffiné. Je suis à 50. Parfait. Il me manque encore tout le reste. Hop. Donc maintenant il me manque plus que les. J'ai réclamé combien? 10 générateurs. Voilà. À ton avis, ça va être combien de temps? Oh bah, moins de temps qu'il n'en faut pour le faire à la main. Ça, c'est sûr. Ah, il sera peut-être déjà dans les coffres, je vois rien qui arrive. Rien qui arrive. À mon avis, t'as pas réclamé. Si. Non, mais des fois, quand on va vite, ça prend pas en compte. Non, j'ai pas réclamé. Parce que sinon, il brille quand on réclame. Et là, il brille pas. Allez, donc je l'ai fait exprès en fait. D'accord. C'était pour voir si t'étais attentif. Voilà, là j'en ai réclamé. Ah non, j'ai réclamé des aérobatteries. Bravo. Ah non, il manque 10 aérobatteries. Missing 10 aérobatteries.
Et pourquoi il manquerait des rebatteries? Parce que quand on demande des rebatteries, il doit manquer quelque chose. Du sulfure, dust ou pulvérisé lead. Et plus de pulvériser de lead. Et comment on obtient du pulvérisé de lead? Comment ça se fait qu'il n'y a plus de pulvériser de lead? On obtient le lead avec 5% de chance seulement. Mais j'ai du pulvérisé de lead. Ah non, et on peut obtenir du lead aussi. Qu'est-ce qu'il dit qui manque? Pulvérisé de lead, dit et rebatterie. Non mais 10 bat... Attends. RE. Batterie. Quand on les réclame, il dit... Mais non, ça marche. Mais pourquoi il l'accepte pas alors dans le craft? Ah. Car tu vois, je clique pour avoir 10 générateurs, plus 10, request, missing, 10 et rebatterie. Peut-être trop de circonvolution. Peut-être mettre des crafting MK2. Bon voilà, donc on a reboot le serveur, j'ai changé les crafts, donc je suis passé à ce craft là, donc au-dessus j'ai mis l'iron furnace, mais le problème c'est que le craft ne marche toujours pas. À chaque fois que je demande, bah, je vous montrer un 10 générateur, et ben il crie hop, voilà, missing 10 RE batterie. Alors que le craft est juste à côté, on peut réclamer les RE batteries, ça vient, on peut réclamer les iron furnace, ça vient. Mais par contre, le craft du générateur ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Donc, si vous avez une idée, vous pouvez toujours essayer de nous la dire. Si, enfin, on est toujours preneur. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer au craft. Hein. Ben, donc voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Générateur diesel, c'est celui-là. Ah, c'est du raffinette, hein, mais c'est du raffinette que j'ai. Électrique, générateur, électrique, générateur. Ah, c'est des iron furnace que j'ai pris, bien sûr. Oui, je voulais d'abord crafter. Oh là, que je suis con, des fois. Voilà, 10 générateurs que je craft. Par contre, j'ai un petit écho dans ton micro, Fox. Je passe un peu. Est-ce que je m'entends? Non, je m'entends pas, c'est bon. Donc voilà, j'ai crafté 10 diesel générateurs. Je ne suis pas sûr qu'on va s'en servir pendant cet épisode-ci, mais on va s'en servir certainement au prochain. Et si c'est pas au prochain, c'est en 2 épisodes. Bon, vu qu'en tout début d'épisode, vous avez vu que j'ai rempli une soul shard pour la blaze, maintenant je vais m'occuper pour les squelettes. Alors, je suis au premier donjon à squelettes. Il y en a deux dans la zone où les quarry ont miné. Donc, je vais prendre le premier. Si ça te dérange pas, Fifoux. Non, non, vas-y, il faut le faire de toute façon. Donc, si je clique dessus. Et d'ailleurs, je dois attendre qu'il y en a un qui spawn. Bon, on retire les torches. Je dois tuer le premier. Le premier comme un guerrier. Oh putain. J'ai retiré les torches, il y a 5 squelettes qui ont spawn en même temps. Hop. Et voilà, je suis déjà tier 2. Donc le deuxième, il se trouve. Il y en a un deuxième qui se trouve dedans, hein, si je me trompe pas. Oui, d'autre côté, à droite, je sais pas où sur lequel tu es. Ouais, on va dire à droite par là. Et si c'était pas à Qui est droite plus par là? bas, qui est vers le bas. Alors, vous avez vu, j'ai lancé un portail un peu les yeux fermés là. Si j'ai réussi mon coup. Ah bah non, j'ai pas réussi mon coup. Donc, on se colle au mur, on tire en haut, on se met en devant, on rentre et on rate. On rentre et on creuse comme ça alors. Tentative numéro 2. On mine. Qu'est-ce qui te fait rire? Ta manière de jouer, ça m'amuse. Attends, monsieur a Très dit. instructif. Monsieur a dit de pas qu'il a la vie facile, moi je vais me casser le cul à tout faire. Hop. J'ai déjà dit, chacun ses choix. Ses choix.
J'ai pas le choix. Oh, il y avait des émeraudes dans le coffre. Avec un CD, et des saphirs et des Je te les ai silver. laissés. Oh, tu les avais oubliés surtout. Non, je les avais vus, mais je les ai laissés. Je me suis dit que t'allais tout me foutre bourré balle dans le tri. Oui. Regarde que le tri va se remplir. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Hop, 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 Mais hop, ça hop, hop, marche hop, hop. pas. Bon, le tri est un peu ralenti par des objets, je ne sais pas pourquoi. C'était une idée, fais-moi signe. Et me voici dans la Twilight Forest pour récupérer les donjons de squelettes. J'en ai déjà pris deux dans le spawn, dans le truc, dans le château du liche qu'on a fait au tout début de partie. Et en descendant, j'ai trouvé un puits, j'ai sauté dedans. Car Harry m'a dit qu'il y avait des coffres dedans. Effectivement, j'en vois un. Alors, il y a une empty map dedans. Tu ne réagis pas? Une empty map, bah une map vide. Oui, dans un Twilight Forest, ça fait qu'on peut voir. Non, c'est pas les mêmes. T'es sûr? Je me suis fait avoir, on en avait trouvé déjà une et c'était une map normale. Oh, C'est c'est pas une comment tu vois masse, c'est alors? pas la masse map. Il faut le petit bouchon pour la faire. Le petit bouchon. Oui, c'est un petit bouchon qui s'appelle masse, je sais pas quoi. Ah, t'es sûr? Oui. T'es sûr? Pour qu'on puisse voir le deuxième étage du... du Blaze truc. map. Non, Voilà, Blaze. c'est pas une blind mass map qu'il faut, c'est une magique. Non, même pas magique, c'est pour encore autre chose, je crois. Il faut une blank magic map. Et une blank magic map se craft avec une magic map focus. La magic map focus, elle se craft avec des torches berry, de la glowstone et des Ravens feather. Oui, des plumes de corbeau, quoi. On a des plumes de corbeau? Peut-être. Tu serais vérifié vu que je suis en Twilight Monte. Moi, j'en ai, je pense qu'il y en a, oui. Si t'en Il as. faut que j'aille dans le coffre de la toilette, si t'as pas tout mélangé. Je n'ai touché à rien. Ouh. Ou peut-être pas. Alors, plume, plume, plume. On a une masse map 0, ben ça ok. Non, je vois pas de plume. Faut tuer des corbeaux. Et des corbeaux? J'ai pas encore vu de corbeaux. C'est des gros oiseaux noirs. Ah, ils sont gros. Ben, les corbeaux, c'est gros, hein. Ah, oui, non, je veux dire, c'est pas un monstre de taille d'un mouton. Non, t'as déjà vu un corbeau de la taille d'un mouton, toi? Non, mais je pensais, on est en Minecraft, hein. T'as déjà vu des creepers, toi? Franchement, et putain. Creepers. J'en vois un, je m'évanouis, Moi, je vais essayer de l'éteindre comme une bougie. Non, mais t'inquiète, les creepers n'existent pas en vraie vie. Sinon, ma maison aurait déjà eu mais des je trouve que dégâts. c'est l'animal de cauchemar par excellence, le Creeper. J'imagine si ça existait pour de vrai, un truc pareil. Bah, j'ai une sœur pour ça, s'y ressemble. Mon Dieu. Il sert rare les corbeaux? Bah, je sais pas, il y a des biomes où il y en a pas mal dans la Twilight. Bon, ben, à la recherche du corbeau. Regardez ce que je vois là-bas, en noir. Bah, c'est peut-être un corbeau, même s'il a pas le. Ah, si, il a le bec noir. Ah, il a fini de me tuer. Enfin, j'ai fini de me suicider plutôt. Pourquoi il veut pas mourir? Foutu zozo. Comment on les tue? Comment on les tape? Mon fifoux, comment on fait pour les tuer? Non, c'est comme ça. Oh. Bah, D'accord, en fait, je pense que ma connexion est en train de planter. oui, tu viens de ralentir. Ton son a changé. Oui, pareil pour le tien. Ça y est, c'est revenu. Ouais, d'accord, et l'oiseau a disparu. Troll! Et me voici sur la trace du corbeau. Mort.
Bon, voilà, je suis retourné au portail du Nether pour crafter un petit item. Du Nether, le portail du Twilight pour crafter un petit item bien intéressant. La Magic Map Focus. Alors, la Magic Map Focus, entourée de pages. C'est pour ça que j'ai pris de la canne à sucre. Voilà, entourée de pages, je disais donc, nous permet de faire la Blank Map Magique. Qui, si je fais clic droit avec en main, tac, fait créer une zone avec tous les points de mon. Pourquoi ça fait. Ah voilà. Donc là, vous voyez, juste ici, il y a. Donc à côté, sur la tête, enfin au bout de moi, il y a une sorte de truc tout bizarre, tout moche. C'est le leash. Oui, vas-y. J'attends ce commentaire. Écoute, non, c'est très bien comment tu fais. Dans la direction ici, par là donc tout droit, si je continue tout droit, je devrais tomber sur le Twilight Leash, le deuxième. Non, c'est pas cet arbre-là. Il y a aussi des petits points que vous voyez, enfin une sorte de petit triangle plutôt. Ce sont les dômes. Enfin non, c'est pas les dômes, c'est les tertres. Donc le petit que vous voyez au-dessus de moi, c'est un petit tertre. Celui à droite est un tertre de taille moyenne. Et les grands tertres ne sont pas encore sur la map, donc je n'ai pas encore vu. À ma gauche, vous voyez des petits carrés. Ce sont soit des labyrinthes, soit des labyrinthes. Mais il y a les labyrinthes souterrains comme on a fait. Et des souterrains, des labyrinthes au-dessus, enfin sur le sol même, avec des buissons. Donc là, je me dirigeais vers le deuxième Twilight Leash pour compléter ma pierre, donc ma soucharde. Et voilà, je suis dans le Twilight Leash, non, dedans, je suis dans son château, et hop. Oh merde. T'es mort. Non, pas encore. Non. Bah alors. Aïe. C'est juste une question de temps, aïe. Bon, pourquoi je vais dans le noir alors qu'il y a plein de donjons? Aïe, au secours! Agression, par derrière! Anti-jeu! Secours! Secours! Bon, d'accord, j'ai fait ma grande chuchote et j'ai laissé. Ouais, mais à côté, c'est compréhensible. Le spawn il est par là. Hop, et je rentre à la maison avec une. Tier 4. Tu sais combien il manque de squelettes pour arriver à Tier 5? Non. Je suis à 1027 kills. Ah, enfin, 1027 de charge. Et si c'est Bon, t'as. 1024, il me manque. T'en as 3 de trop. Hein. Comme ça, j'en ai 3 de trop. Bah, tu me dis c'est 1024 et tu me dis j'en ai 1027. J'en ai 1007, pardon. T'en manques 20. Non, moins. Il me manque 17. Ah là là. Bon, bah, je vais essayer de farmer 17 squelettes dans le monde normal. La nuit, il fait nuit là ou pas? De toute Ouais, je crois. façon, s'il fait pas nuit, il pleut. Ouais, C'est soit l'un, soit l'autre. Attention les amis, il y a de la foudre aujourd'hui, il pleut, il fait nuit et j'ai vu des araignées crever. Ça redémarre tout seul. Non, je suis mort. Non.
Bon, je suis mort, donc une petite transition pour revenir à la maison, donc cette mort sera validée. Tout comme la première mort en début d'épisode, donc je pourrais être heureux d'enterrer deux nouvelles personnes. Ben, monsieur Shenchi, mes abeilles vont bien, mais j'ai toujours ce souci de. J'essaie désespérément d'obtenir simplement des commons pour avoir une boucle de commons, c'est le premier étage. Mais les mutations vont tellement bon train. Alors il faut dire que j'ai mis des soul frames, qui sont des frames un peu spéciales d'Extrabis qui permettent d'améliorer les mutations. Et du coup, je suis déjà avec pratiquement des cultivated, des diligent même. J'arrive même pas à faire des commons, donc c'est assez amusant. J'ai des meilleures abeilles que prévu. Celles-là, elles sont même face worker en partie. Voilà. Donc, je vais essayer de régler ce problème. Peut-être faut pas mettre de soul frame tout de suite. Et puis le piège à blast, je crois que ça va très bon train également. Oh là là, c'est une fournaise là-dedans. J'aime bien le bruit de crépitement des flammes. J'aime les étincelles que ça fait. Ouais, pas mal. Efficace, hein. Et On ça dirait presque blazerode une à fond. musique. Hein. Alors je sais pas si ça alimente tout ça. D'un côté, pourquoi ils se laissent tomber dans l'eau? Pourquoi ils volent pas? Ils sont si bêtes que ça? Je sais pas. En tout cas, presque tous les fours sont pleins. Oh, grand lag de blaze, voilà. Donc à mon avis, ça va pas tarder à s'arrêter dès que le coffre sera plein. Je vais surveiller ça. Je vais me faire également une MFSU parce que j'ai automatisé la création de l'apotron avec une recette simple, alternative de GregTech. Et je vais me faire une MFSU pour la cuisine parce que j'en ai assez que chaque fois que je lance les lasers, ça me vide à toute vitesse la MFE. Tadam. Bon, là, évidemment, elle est pleine. Forcément, on a tous les 15 générateurs en bas qui fonctionnent. Mais bon, je pense qu'on peut stocker beaucoup plus d'énergie que ça. Et on a dit ça Sur que c'est en ce. suffisance en fait pour les lapotrons. Ouais. Bah, en fait, on a plein de saphirs. Ouais. Il y a des bleus, il y a des verts. Et il doit y avoir des rubis aussi pour faire les. Et comment ça s'appelle? Les énergies Ouais. cristaux. Donc Ouais. c'est super. On a vraiment de quoi faire. Super. Très content. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes, à bientôt. Salut, bye.